WordPress, intégrer une Google Maps avec Elementor. Alors, nous avons vu il y a un certain nombre de vidéos comment intégrer une Google Maps dans l'éditeur Gutenberg. Nous allons voir maintenant qu'il est tout aussi simple d'intégrer une Google Maps dans l'éditeur d'Elementor. Alors, je vous rappelle que dans la page Contactez-nous, nous avions ici une Google Maps que nous avions intégrée. On va voir comment on peut intégrer ces Google Maps directement dans Elementor. Alors, on retourne sur la bonne page. Il s'agit de la page Contactez-nous. Donc, la page Contactez-nous, là, on a le petit script qui contient en fait le code qui permet d'afficher la Google Maps. Je vais tout simplement la supprimer. Et puis, on va modifier avec Elementor. Alors, par contre, il faut que j'enregistre. Et on va la modifier avec Elementor. Quand donc l'interface d'Elementor se charge, quand cette interface est chargée, là je suis dans ma page Contactez-nous, et je vais aller chercher directement l'objet Google Maps. Il est dans Basique, vous voyez sur les éléments à gauche, on a les éléments de mise en page, et là on a les éléments basiques. Donc je vais aller dans les éléments basiques, et je vais sélectionner Google Maps. Je clique dessus. Et là, j'ai une Maps qui apparaît. Il s'agit simplement maintenant d'aller chercher la bonne adresse sur Google Maps pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Alors, j'ouvre un autre onglet. Je me lance sur Google Maps. Et là, je vais taper l'adresse de l'IUT. 413 avenue Gaston Berger, Aix-en-Provence. Alors, en fait, le but, c'est d'avoir la bonne adresse telle qu'elle est écrite ici. Comme ça, ça me permettra de bien localiser le lieu. Je clique sur « Copier l'adresse », je reviens dans « Elementor » et là, à la place de « London Eyes », je vais coller l'adresse que je viens de copier. Et là, je suis immédiatement bien positionné sur l'IUT d'Aix-Marseille au 413 avenue Gaston-Berger. Alors, peut-être qu'il faudrait que je zoome un petit peu plus parce que là, on est quand même très très loin. Sur le plus, hein, voilà, et vous voyez que petit à petit on a un facteur de zoom et on retombe bien sur l'avenue Gaston Berger qui est ici et l'IUT qui se trouve ici. Voilà donc comment on peut intégrer une Google Maps. Je clique sur publier, bien entendu, et puis on va voir si nous avons retrouvé notre Google Maps. Je reviens dans TiVox Store, je suis pas sûr, voilà, hop, on actualise. Et là, je me retrouve avec la Google Maps. Même chose, je peux zoomer et je me retrouve bien sur l'avenue Gaston Berger avec l'IUT juste au-dessus. Vous voyez qu'il est extrêmement simple de créer une carte Google. C'est vraiment enfantin, c'est quelque chose de très facile à faire. Bien entendu, on va pouvoir après ajouter quelques petites modifications si besoin s'en fait sentir. Donc, en revenant là sur ma carte, si je veux augmenter la facteur de zoom, vous voyez, je peux le passer à 15 ou 16, ce qui me permettra comme ça de zoomer beaucoup plus. Et la hauteur, je peux aussi la régler pour avoir quelque chose d'un petit peu plus grand. Vous voyez, là, je suis bien sur l'IUT. On va augmenter encore un petit peu le facteur de zoom. On va passer à 17. Voilà. Et là, je suis tout à fait sur... Alors là, j'ai peut-être zoomé un petit peu trop, parce que je ne vois plus l'avenue Gaston-Berger. Voilà, là, on la voit parfaitement. Et j'ai augmenté un petit peu la hauteur. Lorsque je publie, si je reviens sur mon zoom, sur mon front office, j'actualise la page. On va se retrouver avec la carte en un peu plus grand, avec un facteur de zoom un petit peu plus important, où on tombe directement sur l'avenue Gaston-Berger. Voilà donc... très rapidement montrer comment on peut intégrer une carte Google Maps. C'est enfantin, c'est extrêmement simple. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour prendre en compte les nouveautés que je publie très régulièrement. À très bientôt.